Salut à tous, ici Carboom, bienvenue sur cette petite vidéo de Team Fortress 2. Alors on va faire un petit jeu, enfin je vais faire un petit jeu que j'appelle personnellement cache-cache avec les spies. Le principe est simple, je prends une classe qui est traquée par les spies, il n'y a pas d'autre mot. Et le but en fait c'est de voir donc si je me fais plus tuer par les spies ou si c'est moi qui tue plus de spies. Donc voilà, je ferai un petit compteur du nombre de kills et de morts, sachant que les classes que je prendrai seront fortement ciblées par les spies. Je précise donc que je jouerai a priori soit médic, soit sniper. Donc voilà, deux classes qui sont fortement traquées par les joueurs qui prennent spy. De toute façon, quand on prend médic, on se fait un peu traquer par tout le monde. On est tel une immense cible avec un superbe doigt d'honneur peint au plein milieu. Enfin, j'ai un peu l'impression, hein, vu comment les gens essaient tous de me tuer. Ok, on va y aller. Donc, comme vous devez le voir, j'ai pris Roi de la Colline, tout simplement parce que c'est déjà là que j'aurai probablement plus de confrontations avec des spies. Surtout si je prends Médic. Et aussi, tout simplement, parce que c'est mon mode de jeu préféré. C'est celui qui a le plus fandard, celui où on n'a pas à courir pendant 20 minutes pour trouver des gens à taper. Ça va, généralement, vous courez 2 minutes et c'est bon. Et on est parti pour la première manche, qui va durer 25 secondes visiblement, mais c'est pas grave. Allez. Bon. C'est un début de partie comme un autre, ma foi. Allez, on va dire que c'est un bon signe. Ça commence sur les meilleurs augures. Ouh. Ah, voilà. Et comme vous le voyez, il y a des spies dans les deux camps. Ouh, il y a du monde en plus dans les deux côtés. Un copain médic. Allez. Ah oui, oui, c'est vrai que je lag un petit peu, malheureusement. Faut espérer. Ah oui, d'ailleurs, j'avais vu la dernière fois, j'ai l'impression que lag n'apparaît pas pendant la capture, c'est assez rigolo. Le seul truc un peu contraignant, c'est que je dois changer de souris, quoi, pour jouer, mais à part ça... Ah, et un point pour les spies. Même pas 15 secondes. Ah, je sens que ça va être sanglant cette partie. Bon, le spy nous trouve dans les 15-3 secondes, premier point. On va tâcher de réduire l'écart. Je veux pas me faire taper. Bon, avis à tous ceux qui jouent à Team Fortress 2, si vous n'aimez pas vous faire taper par des spies, ne prenez pas médic. Ah bah, je crois que c'est moi en plus, ça. Oh mais oh, tu veux quoi, tu le scout? Oh, un pyro de près, ça serait pas une bonne idée, ça. Oh, montez l'Uber charge. Oh, le spy. Ah, il attaque l'ingénieur lui aussi. Bon, enfin, le spy est mort, mais je crois pas avoir joué un rôle dedans, donc je ne pense pas que ça compte comme un point. Si vraiment j'arrive pas à en tuer, je pense que je commencerai à compter comme des points, mais pour l'instant, voilà, on va dire que ça compte pas trop. C'est un des nôtres, ouais, c'est un des nôtres. Ouh! Allez. Ouh, j'ai vu un truc invisible. Je suis en feu, je crois. Ouh, paillou, ça brûle. Aïe, aïe, c'est où les soins. Yeah. Ah, mais j'étais dessus. Oh. Mais regarde-moi ça, j'étais dessus d'où je suis mort avant, quoi. Bon, c'est pas grave. Ah, il était là, distributeur, putain, si j'avais su. Bon, c'est pas grave. Allez. Déjà? Donc. Bon, bah plus que 30 secondes, allez.
Ça va, pour l'instant, notre équipe gère bien. Ok, ça va, plus de fun. Yes! C'était quoi ça? Allez, tout le monde qui appelle le médic. Médic! Ouh, des médics ennemis. Oh, mais. Oh, les scouts. Ah, ils sont relous ceux-là parce qu'ils t'attaquent en sautant partout, t'arrives même pas à les toucher. Alors, oui, les ennemis qui discutent stratégie sur le canal public. Bon. Je ne dirai rien, je m'en vais jamais à faire des canaux privés. Enfin, des canaux d'équipe, etc. Parce que je sais pas comment faire, mais je m'en fous. C'est un des nôtres, ça. C'est un des nôtres. Allez, on éteint le feu. Aïe, je me fais taper, mais je sais même pas par qui, déjà. Allez, hop. Nettoyage. Ouh, deux spies de notre équipe. J'espère que c'est la même de l'autre côté. Ça rendra le jeu plus marrant. Bon, ben, pour l'instant, 1-0 pour le spy. Hein, on va voir si ça va changer à l'avenir. S'il n'y a pas de spy dans l'équipe ennemie, ça va être assez compliqué. Allez, Uber, charge. Tape le scout. Allez, il me tape. Ah, mon dieu, c'est pas bon signe quand le mec explose devant toi. Yeah. Alors, oh la vache, ça, tout s'est passé en un instant, je me suis pris une roquette par le mec et mon pote Spy l'a poignardé derrière. C'est joli. Je n'ai pas encore prévu de comptage de points de cette manière-là pour l'instant. On verra si la situation s'y prête davantage après. Allez. Oh. Oui, j'arrive. Ah zut. Yep. Allez. Pas bon signe ça. Non, je peux pas l'enlever. Oh, je l'ai vu. Je t'ai vu, Sagouin. Ce scout n'est... Ah, c'était un ingénieur. J'ai cru que c'était un spy. Ah, généralement, quand je m'envole comme ça, c'est généralement parce que je suis poignardé dans le dos. Ah, mais j'ai vu le spy invisible et puis j'ai vu un truc invisible tomber, je sais pas. Enfin, bon, en même temps... Oui, alors aussi, conseil pour les spies, quand vous êtes invisible, ne vous foutez pas devant Heavy qui tire. Vous avez pas le nombre de spies invisibles que j'ai vu crever comme ça. Ah, lag. C'est... assez exceptionnel. Aïe. Mais par quoi? Sérieusement? Je croyais être foutu hors de portée. Bon, d'accord, ils sont mis à côté du... Oh, un spy ennemi. Et il a une grosse banane sur la tête ou je ne sais quoi. Ok, c'est lui qu'il faut que je cible. Allez, hop hop. Ok. Allez, voilà, je suis un peu plus agressif. Bon alors oui, il y en a plein qui diront que je suis beaucoup mort là pour un début de partie. Mais bon. Alors, où est-il? Je l'ai vu par là. Ah. Ah zut, je l'ai raté. Oui, c'est bien une banane. C'est bien une banane. Ah, allez, deux grosses cibles de spy. Côte à côte, trois grosses cibles de spy. Alors là, si le spy vient pas nous chercher, c'est que c'est pas un vrai spy. Ah! Des moments de mes. Oh, croquette critique, allez vous faire voir. En plus, c'est le même soldier que tout à l'heure. Allons-y. Bon, avec un peu de chance, le spy a dû repopper. Oh, mais t'arrêtes de crever dès que j'arrive. Attends, tu me le refais encore une fois, je me compte un point, parce que là, franchement, tu m'aides pas. Hein. Et toi, arrête de te blesser comme ça, qu'est-ce que tu fous? Ok.
Je suis pas un spy moi. Hein. Oh, un pyro, un pyro, un pyro. Oui, oui, pyro. Vas-y, le feu et merde. Mais c'est d'accord. Ah, battle de médic. Bon, c'était rapide. Ouh, je crois que c'est un Heavy qui est mort par spy celui-là. Il avait envie de tomber comme ça, c'est pas... il s'est pas pris une petite seringue. Hein. Oh, ouais. Ah, le lag quand tu te déplaces, ça pardonne pas. Ah, d'accord, en fait, la banane, je crois qu'il est passé en mode soldier. Oh, j'espère qu'il reste un spy de l'autre côté quand même. Alors, le médic est amoché ici. Voilà. Oh, Pyro, t'as vu la lag? Merci, c'est gentil. Ouh! Voilà. Bon, allez, le lag se calme un peu parce que là, c'est bien dur de jouer quand même. Mais... tu veux quoi? Ouh, 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 le spy! Le spy! Il crève! Il est où? Il est où? Il est là! Il est là! Oh non! Oh oui, il est mort à juste avant. Bon, ouais, je me compte en moi parce que là, quand même, quoi. Les gens, quand même, là. Quand même, j'étais en train de tirer dessus, après j'ai un lag et il est mort. Et moi, je dis, je piétine son cadavre. Au passage, je précise, de par mon expérience, il m'a été beaucoup plus facile de tuer des spies avec un médic qu'avec un sniper. Franchement. Ça m'est arrivé de tuer des spies avec un sniper, mais généralement, c'était parce que les mecs étaient en train de se déguiser, qu'ils bougeaient pas, qu'ils étaient en bien immobiles, et moi, bah, bim! Headshot, ou alors un tir chargé. Enfin, voilà. Mais avec un médic, c'est plus souvent arrivé. C'était plus tendu aussi, parce que tu vois le machin t'arriver dessus avec son couteau, toi, t'as sauté assis sur ton pistolet à seringue. Tu flippes un peu, quand même. Hein. Mais c'est plus rigolo, quand même, quand tu réussis. Oh, charge utile. Bon, il y a moins de spy sur ce genre de truc, mais... on va bien voir. Ah oui, je suis en rouge, donc je défends. Donc, effectivement, être sniper... peut attirer les ennemis. Pourquoi ils sont que 3 en face? Les pauvres. Ici. Donc voilà, là en sniper, déjà, j'attirerai. J'ai mes chances d'attirer des spies. Alors, y a-t-il des spies? Alors. Salut! Alors ça c'est un ingénieur. Je crois. Ouais ouais, c'est un ingénieur. Mince. Bon, pas de spy de l'autre côté pour l'instant. Ça va peut-être arriver après. Un autre. Ah, ça y est, ils ont du monde en face. Alors, va-t-il y avoir des spies à descendre? Je sais pas. Je veux pas qu'ils m'entendent. Ils sont partout. Ce métier que j'aime pas. Arrête de bouger. Ah, zut! Oh, je l'ai eu, non? Bon, être avec un scout et un sniper, c'est une idée très très conne. Est-ce que c'était pas un spy, ça? C'est quoi qui me tire dessus? Punaise.
Ce petit machin, tu sais, le petit truc pour t'insulter. Ok, il la joue vraiment bourrine, donc c'est plein de soldats et de heavy, à part vraiment de spy. Allons-y, allons-y, allons-y. Wow, 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 qu'est-ce que c'était que ce truc? Je vais faire une exception. Je vais prendre Heavy pour rester dans les classes largement ciblées par les snipers. Oh, va te faire voir, d'où t'as un truc critique? Qu'est-ce qui me tire dessus? Mais t'as... Je reste quand même sur le Heavy un petit moment, et histoire d'aider à nettoyer, parce que là franchement, sniper, aïe, je peux pas faire grand chose. C'est parti. Dégage! Ah, allez vous faire voir. Recule, recule, casse-toi, casse-toi! Va te faire foutre. Ah, nye, c'est passé, ça passe, allez vous faire voir. Ça passe! Ah, je suis mort juste avant là, punaise. Pouf. Bon, certains auront remarqué, je fais un petit peu plus de kills en heavy. Alors, de ce côté-là, qu'est-ce que je vais prendre? Ouais, les heavy, je sais que je vais largement me faire cibler par des spies en tant que heavy de ce côté-là. La question c'est, vais-je réussir à tuer autant de spies? Et bah voilà, t'étais où toi alors la partie d'avant? Pourquoi il n'y avait pas de spies dans l'équipe bleue la partie d'avant? Hein? Oh, eh oh! Oh, mais cette insulte! Je change de classe, je me fais tuer par la classe précédente. Cette insulte, quoi. Je veux dire, en plus, le Heavy est la seule classe qui ne peut pas être one-shot, enfin, se faire tuer en un seul headshot. Mais tu veux quoi? Tu veux quoi? Mais, ah, mais vos mères! Laissez-moi jouer! Ah, oh, zut, en hypercharge. Et allez pour le spawn kill, allez, sinon c'est pas drôle. Dégage, toi. Dégage. Ah. Allez, tous vous faire voir. Ah, c'était quoi? Sérieusement? Eh, de cette distance? Ouais, pourquoi pas, hein, vous... Qui suis-je pour me plaindre? Ah, celui qui vient de se faire crever? Ah, c'est drôle. Allons-y. Ah, mais... Lui, je sais pas où il a eu son lance-flamme, mais punaise, il est craqué. Dégage! Dégage! Et toi, dégage! Dégage! Yeah. L'honneur est que j'ai tué. Oh, allez, va te faire foutre! En fait, j'aurais dû jouer Spy comme ça, il y aurait eu un Spy qui resterait mieux. Mais... Toi, va te faire foutre. Toi, tu te casses. C'est ça, essaie de me tirer à travers la grille, crétin. Imbécile! Aïe, 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 aïe. Toi dégage. Toi tu dégages. Allez, c'est ça, rentre chez ta mère. Vous voulez un médic? Vous voulez un médic? Eh ben moi j'ai un médic. Allez vous faire foutre. Punaise de sagouin qui balance une Uber. Bon, en fait, je me fais beaucoup tuer, mais par aucun spy, en fait. Je crois que je me fais tuer par à peu près toutes les classes possibles, sauf ça.
Non, j'exagère, mais bon, quand même, quoi. Je veux dire, je suis quand même connecté pour me friter avec des spies, et puis il y en a pas. Il y en a pas. Bon, toi, t'arrêtes de faire chier un peu. Alors, hein? Crever. Mais. C'est mitrailleuse, hein, elle te fout pas la paix. Crève! Crève! Ah! Je reste sur l'image. Bon, allez, on va tenter de changer un peu le score parce que bon, pour l'instant, on est toujours à 1 partout. Bon, franchement, blague à part, je pense que je les distrais pas mal histoire que ça ait un peu de sens. Ouh, Sweet. Alors, Sweet. Une map à sniper, celle-ci. Franchement, c'est une map où, franchement, vous jouez en sniper, vous allez bien vous amuser. Et vous jouez à peu près n'importe quelle classe, vous allez bien vous amuser aussi, puisque passer une certaine zone, enfin, une fois que vous êtes bien au beau milieu de la map, c'est la fête, hein, tout le monde se tire joyeusement dessus, et les snipers ne peuvent pas trop vous atteindre une fois au centre. Par contre, tout autour, les snipers vont se faire des duels entre eux, et évidemment, qui dit sniper qui se font des duels entre eux veut dire spy pour interférer. Et au passage, c'est même une map où ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des spies qui font du spawn kill. C'était juste joyeux. Je veux dire, tu sors, tu vois un scout qui arrive vers toi, tu dis ouais, ok, salut copain, et puis bim, poignard dans le dos. Ouh, il y a des armes laser là. Alors, allons-y avec un sniper. Ah, ça y est, le spy est revenu dans la course. Voilà. Bon, peut-être pouvoir continuer ce match de spy. Donc 2-1 pour le spy. Boum! Ce double kill de sniper. Ce double kill. Oh putain. Je le tue, je me fais clouer juste après. Elle est belle celle-là. Ah oui, c'est vrai que ça c'est une astuce des spies, c'est de se déguiser en ennemi spy. Tout simplement parce qu'ils ont la même façon de bouger et ils ont la même arme. Ah, la souris qui coince, c'est pas pratique. T'as voulu faire quoi, Michel? Et je suis bête. Bon, ça va, j'ai été branché. Oh, il y a une fois, oh, je me souviens, j'étais enflammé. Et en arrivant, enfin, je fonce à mon camp pour me soigner. Et je franchis la porte de mon camp avant de mourir des dégâts de feu. Je vous laisse imaginer l'aspect traumatisant pour mes coéquipiers. Tu vois ton pote qui revient comme ça et qui crève complètement en flammes. C'est quand même une vue assez chouettos, on va dire. Oh, ta race, il me traque en plus, ce sagouin! Putain, il commence à faire chier, Gaël! Oh, il est relou celui-là, punaise, il fait exprès de m'embêter parce que je suis sniper. Attends, je serai en payroll, tu t'approcheras même pas. Allez, viens! Ah, tue-le! Tue-le! Allez, il est mort là, mince! Non, franchement, si ce mec Moon me refout une mort, je passe pas héros. Parce que, un moment, ça va bien, mais là, je peux même plus m'amuser à traquer des snipes, des spies, etc. Il est toujours là pour me tirer dessus, pour me taper dessus. Arc! Ok. Commence à me gonfler celui-là. Ah,
Alors, déjà, je connais son terrain de chasse, à force de me faire buter par ce même mec. Tant de lui rendre la politesse. Ok, t'es là. Allez, viens. Allez, viens. Viens, qu'on rigole. Oh, très joli. Alors, les scouts! Alors, les scouts! On aime bien jouer de près, hein? On aime bien la première ligne! Hein? Qu'est-ce qu'il est? Ça fait du bien! Ouh! Ça défoule! Alors, les gens qui aiment bien jouer scout, vous connaissez pas votre propre bête noire? Mais c'est le Pyro, la bête noire du scout! Hein? Hein? T'aimes bien la jouer de près, hein? T'as voulu prendre le soin, gamin. Ah zut, un débeau. Ah, c'est un spy qui m'a tué. Bon, ben, un point de plus pour le spy, bravo. Alors, où est notre bon ami? Notre très bon. Salut, copain! Ah oui, suicide-toi, t'as raison, c'est bien meilleur comme ça. Oh, mais je l'ai mis en feu! Ah, merci. Mais. Oh, il a réussi à m'en mettre une 1 quand même. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas compté, tout à l'heure j'ai buté un spy. Aïe! Wow! Yes! Alors, j'ai mon jeu qui a planté, je crois que c'est à cause de la capture. En tout cas, bref, on va finir donc là-dessus. Bonne soirée à tous, à plus, et puis à bientôt pour une prochaine partie où j'espère il y aura un peu plus de spy et un peu plus de danger et de compète. Et peut-être plus de qualité de ma part. Allez, bonne soirée à tous. Ciao!